Hello, hello, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est le 6 avril 2023. C'est un open bar un peu plus tôt que prévu. Demain, je ne serai pas dispo donc pour le vendredi. Ça se passe un jeudi. Ça va être assez rapide. Je pense qu'on va faire une petite passe sur ce qu'il y a déjà de présent sur nos STR, etc. Et on va aller faire un petit tour du côté des articles que je suis en train d'écrire pour Linux Mag, histoire de voir un peu comment on peut avancer les choses. On fait un petit point sur nos STR d'abord. Alors, regardons ça. Alors, yesterday, désolé. Donc en fait, hier, dans la semaine, on a commencé à parler des shortcuts. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites du côté relay, ce qui n'était pas du tout prévu, pour être honnête avec vous. Donc je propose qu'on fasse un petit diagramme pour essayer de voir où on en est. Je vais le refaire from scratch parce qu'à mon avis ça va être celui du relay. Donc on a le relay. On va dire que ça c'est l'utilisateur. J'avais pas fait le diagramme de fonctionnement du relais, donc c'est pour ça que je le refais depuis le début. On a un process pour tout ce qui est subscription. Et on va avoir différents modules, etc. Mais qui vont être utilisés directement au niveau du relais. Mais je pense qu'après, à terme, ça va être un routeur. Et pour tout ça, en fait, il faut une base de données. Ok, dégage l'acteur. Tu m'embêtes. Donc, le délire, c'est qu'il va me falloir une base de données. Hop. Donc, actuellement, on va utiliser Mnesia. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que les messages vont arriver, finalement, je te remets. Hop. Mail. Hop. C'est un peu gros. Je vais être plus petit. Hop. Hop.
Ok, donc à chaque fois qu'un message est reçu par le relais, il est géré au niveau du routeur. Donc, est-ce que je peux modifier ça? Tac. Et le routeur, en fait, va être en charge de déjà stocker l'information. Mais je sais pas ce qu'il y a avec ma souris là, ça, elle déconne aujourd'hui. Désolé. Hop. Donc en gros, ça va être stocké ici. Et entre deux, il y a un module de callback. Qui s'appelle en fait module store, qui s'appelle store. Quoi que je pourrais même le mettre sous forme d'un process, parce qu'à terme je pense que ce sera un process de toute façon, parce qu'il y en aura plusieurs, ce serait cool qu'on puisse synchroniser plusieurs bases de données en parallèle. Ça pourrait être assez sympa. Voilà, comme ça, et là on a store qui est ici. Donc en gros, j'étais bloqué parce que quand on fait appel à la, comment dire, quand on veut faire une subscription ou quoi que ce soit, j'ai besoin en fait de stocker les informations qu'il y a dedans et en particulier les autres acteurs. Disons qu'il y en a deux autres qui sont abonnés au relais et en fait, on a besoin d'avoir les informations. On a besoin d'avoir les informations sur qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et donc la subscription va avoir besoin de stocker des filtres déjà. Et il va avoir besoin de stocker les identifiants des acteurs, donc en gros des utilisateurs. Donc la subscription va devoir gérer ces deux trucs-là. Et doit devoir gérer en fait les états des subscriptions. Et tout ça doit être aussi stocké évidemment bah, dans la base de données des SIA au niveau de store. Donc store va devenir un peu le truc critique au niveau de l'application. Peut-être faire ça un peu plus proprement, c'est fait un peu à l'arrache. Hop. Donc en fait les deux ils sont là, le routeur il va stocker directement les messages, subscription va directement stocker les messages. Et en fait c'est les filters et donc la subscription qui va s'occuper de récupérer les messages d'Amnesia après, donc les events, et les reforwarder ensuite au niveau des deux acteurs. Donc ils sont ici, hop, et ici. Off. Et n'ayant rien préparé aujourd'hui pour faire tout ça, vous attendez pas à un truc merveilleux. En gros, voilà, le délire, c'est vraiment ça sur quoi je suis en train de bosser. Sachant qu'après, il y a pas mal de choses à faire, et comme je disais, c'est que je fais les briques. Au début, je voulais faire un petit relais de test, au final, je me suis pris un peu au piège au jeu. NIP 02, j'ai plus le temps de l'avancer, et il y a BEC 32, il faut que je travaille là-dessus. Parce qu'il y a un gars qui m'a pingé sur GitHub, et il serait intéressé pour voir ça, sachant que normalement on devait coder ça avec Mars. Je suis pas sûr que ça va se faire. Je sais pas trop comment. J'ai pas trop le temps en ce moment. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, au niveau en fait du relais, ça donne à peu près ça. J'ai juste vérifié un truc. Ok, ça marche. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Donc en gros on a Amnesia. Moi ce que j'aimerais bien après ce serait potentiellement faire d'autres interfaces vers d'autres bases de données, comme par exemple PostgreSQL. Et de pouvoir soit les configurer en parallèle, soit comment ça s'appelle, les mettre en stockage alternatif. Oh putain, c'est pas possible. L'autre truc que je voulais faire aussi, c'était la mise en place d'un store sur par exemple Object Store, type Amazon S3, quoi. Donc en gros tout ce qui est compatible un peu partout, avec le rajout d'un système de chiffrement qui permettrait en fait de stocker les messages directement chiffrés sur des blocs de stockage dur. Donc peut-être avec un système d'ID ou je sais pas quoi. Pour l'instant je sais pas trop comment on pourrait faire ça. Mais le but ce serait aussi d'avoir ça pour simplifier tout, de faire ça comme ça. Et on peut imaginer que vu que ça va être une abstraction forte, on pourrait bien faire aussi des stockages sur le système de fichiers directement. Et
Donc en gros, avoir différents types de stockage dans ce genre-là. Idem pour la mémoire, c'est-à-dire que là on utilise Amnesia, mais j'aimerais bien utiliser peut-être ETS simplement pour un système en mémoire seul. Ce qui fait que typiquement, si on veut faire un serveur, une sorte de one-time relay, on le démarre, le truc il va charger en mémoire, on a toute une gestion de la mémoire, etc. pour dire bah en fait on va pas dépasser cette somme, enfin cette valeur-là en mémoire utilisée, et ça supprime automatiquement quand on arrête le service et il n'y a aucune trace des informations stockées, etc. Donc, tout ça, c'est en cours. Le code fonctionne à peu près. Je pense que si vous avez vu les derniers shortcuts, ça fonctionne à peu près. Alors encore une fois, le relais n'était pas du tout prévu. C'était juste à l'origine pour faire en sorte de simplifier les tests et de pouvoir faire des tests d'intégration. Au final, je me retrouve avec un relais qui n'est pas totalement fonctionnel, mais qui permet déjà de stocker des éléments en mémoire dans la base de données Amnesia et d'avoir un semblant de fonctionnement au niveau des subscriptions. Par contre, vu que ça m'a fait dériver complètement du sujet de base, qui était l'implémentation de NIP02, j'ai pas écrit assez de documentation, j'ai pas fait assez de tests, donc je pense que dans pas longtemps c'est ce qui va arriver. Les tests vont apparaître, etc. Donc voilà le point sur nos STR. Je pense que d'ici, je vais continuer à travailler dessus peut-être un peu ce week-end et la semaine prochaine sur le relais. Je vais essayer de faire des shortcuts. Alors demain ça va être compliqué, c'est une raison pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui, jeudi. Demain j'ai un autre call, un podcast à faire. Donc j'ai d'autres trucs à préparer et j'ai mon article, certains de mes articles à finir. Ça prend plus de temps que prévu. Parce que justement nos STR, je ne m'attendais pas à m'éclater autant avec ce projet. Voilà pour nos STR. Donc ça, le schéma, il va être refait de toute façon. Il y a toute une partie sur Cowboy et l'intégration, l'article sur Cowboy qui va être fait aussi. NIP02 est globalement fini. Il faut juste que je me relance dedans pour voir un peu les conneries que j'ai faites dedans. Mais comme je vous avais dit, il y avait un souci en fait au niveau des futures NIP qui allaient être faites, dans le sens où on allait devoir. Deux petites secondes. J'ai envie de baisser le son de la musique parce que j'ai de la musique en parallèle et ça m'abîme les oreilles. Donc, le but de NIP02, c'est qu'on avait commencé à avoir quelque chose qui était fonctionnel. Il y a deux, trois trucs qui manquent encore. Il y a pas mal de choses au niveau du client qui va être refait parce que ça me convient pas du tout au niveau du système que j'ai fait. Mais dans tous les cas, je pense que ça devrait arriver d'ici sous peu. J'ai quand même pas mal d'idées sur comment jouer avec tout ça. Donc ça pourrait être assez cool. Voilà pour nos STR. Alors, ensuite, on a le choix entre soit regarder les news. Je sais plus comment ça s'appelle le truc pour regarder les news. Je crois que c'est RSS. Il y en a un des deux qui est bon, l'autre qui est pas bon. Alors j'ai vu qu'il y avait eu des trucs assez intéressants. S'il veut bien se mettre à jour. Donc, celui-là, ça date de quand? C'était pas celui-là que je voulais voir. Je sais plus, je crois que j'ai vu un truc assez intéressant. Bon, j'ai peut-être déliré. Ça date de quand ça? 2011. Marrant. Potentiellement à relire. OTP. Donc ouais, c'est celui qu'on a déjà un peu parlé la semaine dernière. Donc il n'y a pas grand-chose au niveau des news. Donc moi, ce que je voulais un peu vous parler, c'est des articles que je suis en train de faire. Alors ça plus tard. Hop. Donc j'ai une tonne d'articles en cours. Faire des choses en parallèle, c'est pas forcément terrible, mais j'en ai un qui va arriver et que je pense qu'il va peut-être intéresser pas mal de monde. Et là, je suis en train de travailler sur la représentation sur comment faire les choses. Donc il y a eu un article sur la gestion des certificats avec Erlang. Et là, il y a un article sur la gestion de connexion, la mise à jour de connexion, SSL, TLS, etc. pour la partie sécurité. Et il y a un gros, gros, gros boulot qui est en cours. Et donc, hier, j'étais surtout en train d'essayer un peu de cleaner toute cette partie-là pour montrer comment on faisait, essayer de trouver un format simple
pour montrer comment on fait pour mettre à jour une connexion TCP et faire SSL. Alors je sais que beaucoup de personnes ne savent pas comment ça fonctionne, donc je propose de faire une micro-démo. Hop, donc on va avoir le serveur ici et on va avoir le client là. Comme ça on est bien séparés. On va se faire un petit TCP dump. TCP port, vous voulez quoi comme port? On va se faire un petit 7, 8, 9, 0. Bizarre que j'ai pas installé. Marrant ça. Une distribution de sécurité informatique qui a pas un TCP dump installé, c'est un peu triste. Ok, donc là on a TCP, donc c'est pour vous montrer un peu ce qui va se passer. Et je vais faire un petit watch SS-LNP T. Ouais, comme ça devrait le faire. Ok. Et on va générer un certificat d'abord, parce qu'il faut toujours un certificat. Alors j'ai oublié la commande, je vais juste la récupérer après. Bougez pas. Ah merde. Je pense que vous avez eu un écran noir. Hop, c'est pas bien grave. C'était quel document? C'était celui-là. Ok, c'est parti. Donc, je connais pas les. J'ai fait beaucoup de SSL récemment, mais je les connais pas encore par cœur celle-là. Donc la commande ici, elle va être pour générer en fait un certificat autosigné, qui va être utilisé après pour justement la partie serveur et autoriser en fait la partie Erlang et serveur à se connecter dessus. Donc comment ça fonctionne? Moi ce que je vais montrer dans l'article, parce qu'il y a des TLS et TLS, c'est un peu un système qui est utilisé avec justement OpenSSL, enfin du moins Start TLS. Je sais pas si je peux vous montrer ça, Start TLS. Qui commence normalement par la négociation en TCP d'une connexion et qui fait une mise à jour après de la connexion directement en TLS. Alors, je sais plus, c'est celui-là. Donc, Start TLS, on le voit surtout par exemple dans le domaine de SMTP. Et ça permet en fait d'avoir déjà une connexion TCP d'ouverte, de faire des échanges et en fait arriver à un moment, il y a une négociation TLS qui va démarrer. Et ce principe de mettre à jour un socket est utilisé au moins pour cette partie-là. Je connais pas s'il y a d'autres protocoles qui font ça. A priori, il y a XMPP qui le fait, NNTP, LDAP a priori. C'est intéressant ça, ça fait partie du truc que je vais peut-être rajouter dans l'article. Donc en fait, le but c'est quoi? C'est d'avoir d'abord une connexion, comment ça s'appelle, TCP, et ensuite de la mettre à jour avec justement, comment ça s'appelle, TLS. Donc on va démarrer l'application déjà. Au moins ça sera fait. Application 2.1 sur All Started SSL. On va le faire pareil du côté client. J'aurais pu les appeler, nommer les VM histoire d'être sûr de voir ce qui se passe un peu. Donc là, on a nos deux clients qui sont démarrés avec SSL. Encore une fois, à gauche, c'est le serveur et à droite, c'est le client. On va définir les options. Pour le coup, je sais que dans mon article, elles y sont. Hop, juste ici. Hop, et les options pour le client. Ça va être simplement verify none. Parce que c'est du. Comment ça s'appelle? De l'auto-signé. Donc voilà, on a nos options pour le client. Alors là, ici, il y a un petit problème. Le égal, il est là. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer notre serveur TCP. Déjà faire des tests si avec le TCP ça fonctionne. Ok, socket. On va l'appeler TCP socket. Est égal gen TCP start. Alors, dans mes souvenirs, c'est 5000. Et on va le mettre en active false pour une simple et bonne raison. C'est que dans la documentation, ils expliquent que si on fait de l'actif, il y a un problème au niveau justement de la mise à jour après TSSL. Donc il faut au moins configurer
le socket de démarrage en natif. Et ensuite, après, de toute façon, quand il y aura la mise à jour SSL, normalement, on l'aura. Excusez-moi, désolé. On va d'abord commencer par démarrer le serveur TCP avec le socket en écoute en passif. Et quand on va mettre à jour le socket en question en SSL TLS, il va redevenir actif si, enfin par défaut, sauf si on le notifie. Donc là, hop, alors il y a un petit problème. Fonction chaîne TCP star, oui c'est listen, désolé. Donc là, on voit, on écoute bien sur le port 5000 et c'était pas le port 5000 qu'on voulait. Donc on va recommencer. Hop, c'était 7890. 7890. Donc là, on a deux ports qui sont en écoute. Il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Il n'y a pas de connexion pour le moment. Quand on fait un service avec TCP, il faut aussi un système pour accepter les données. Donc en gros, on va faire OK, accept socket. Et on va le faire avec le socket d'origine. Donc ça va être TCP socket. Hop. Donc, oh, ça sent que c'est le soir. Voilà, donc là normalement j'ai une connexion qui est initialisée, ce qui fait que je vais pouvoir utiliser mon client, mon client TCP pour me connecter directement dessus. Et justement avoir une connexion active et pouvoir envoyer des messages. Donc là je vais me connecter simplement dessus juste pour faire la poignée de main, la poignée de main, comment ça s'appelle, TCP. Donc ce qu'on va faire c'est gen TCP. Connect localhost 5000. Pareil, on va le mettre en actif celui-là. En passif, je veux dire. Hop. Donc là, normalement, on va avoir une connexion qui va être établie. Alors, je sais pas pourquoi lui il le voit pas. Peut-être parce que j'écoute pas sur loopback. On va tester ça tout de suite. Gen TCP, send TCP, socket. Test. Bah, marrant ça. Je suis connecté en localhost et mon TCP dump il affiche pas les informations. Bon, c'est con, je voulais vous montrer les échanges qu'il y avait en même temps, mais a priori ça fonctionne pas. Donc c'est pas grave. Peut-être parce que je suis connecté sur le port 5000. J'ai fait tous mes tests hier sur le port 5000, donc dans ma tête c'est port 5000 qui prédomine. Allez, on recommence. Hop. 8, 9, 0. Et pendant qu'on y est, on va rajouter un peu de verbosité ici. Avant qu'il y ait la connexion qui soit faite. On va peut-être même juste comme ça va être pas mal. Et en option, active false. Et là, normalement, on va avoir l'unchecked. TCP. Donc la poignée de main TCP, pour les personnes qui savent pas, c'est comment initialiser justement le stream entre un client et un serveur en utilisant TCP. On commence par un SYN. Le serveur en fait dit qu'il est OK, il va répondre avec un SYN ACK, donc le ACK qui est ici. Et dès que le client en fait a vu que le reçoit le message du serveur, il renvoie un ACK, un acknowledge pour dire OK, c'est cool, la connexion est initialisée. Là, la connexion TCP est initialisée. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir envoyer des messages et le stream en fait va fonctionner bah, comme un stream en fait. Vous envoyez, vous recevez des messages et vous pouvez en fait un peu jouer avec. Donc la prochaine étape c'est comment passer en TLS. Donc pour le faire en TLS, on va utiliser SSL. Ce qu'on va faire c'est uncheck et on va définir le accept socket qui a été défini précédemment et on va rajouter les options. On va mettre un timeout. Et on va préparer de l'autre côté la version mise à jour du côté TCP. Donc du côté TCP, du côté client, je veux dire, on va faire SSL, connect. Donc là, on va prendre notre TCP socket. Et on va simplement rajouter les options qu'on a définies précédemment. Et pareil, on va mettre un timeout. Donc je mets 30 secondes. Et là, on va faire OK. SSL socket. OK. Donc là normalement avec ces deux options là, on va pouvoir en fait générer la connexion. Attention.
Quand la connexion est initialisée, il faut que ce soit d'abord le serveur qui mette à jour la connexion, en attente en fait en gros que le client puisse envoyer le premier message hello au niveau de l'échange, comment s'appelle, de l'échange SSL. Je vais vous montrer ça. Je sais qu'il y a des jolis graphiques sur le web qui présentent ça. Donc SSL on check. Donc typiquement, on a celui-là. Donc là, c'est le TCP, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ensuite, on a justement le client Hello. Et en fait, entre cette étape-là et cette étape-là, il faut que la partie qui soit ici soit en écoute. Le serveur doit faire OK, j'attends maintenant qu'il y ait un message. C'est pour ça que dans StartTLS, si vous regardez bien, si on prend l'exemple de SMTP, je crois qu'il y avait un exemple au-dessus, c'est le client qui va définir. On va démarrer StartTLS. Et à partir de là, le serveur répond OK, moi je suis prêt, tu peux envoyer ta connexion, il n'y a aucun problème. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer de simuler là. Donc je vais passer du côté serveur en TLS et je vais le faire pareil du côté client. Et là, on voit qu'il y a un échange qui a été fait. Alors il y a des warnings qui vont s'afficher parce que normalement il y a du auto-signé. Mais en gros, là c'est notre échange qui a été fait. Donc normalement, on a le comment s'appelle du côté TCP. Donc tout ce qui est ici, c'est du côté TCP. Et à partir de là, on a notre échange en SSL qui se fait avec le premier message qui est envoyé. Alors évidemment, c'est chiffré, etc. Enfin, chiffré, les premiers messages sont encodés et après c'est chiffré. Le but, c'est d'échanger les clés et d'avoir les informations, d'échanger différentes informations qui vont bien. Donc là, on a bien notre échange. Ce qui fait que dans les deux cas, on a bien notre message et on va pouvoir envoyer par exemple des messages depuis le serveur ou depuis le client. Donc moi ce que je vais faire c'est juste des flushs, mais c'est pour vous montrer un peu l'idée. Donc on a notre SSL, je vais envoyer un message au client, on va utiliser la socket SSL et on va lui envoyer hello. Donc là normalement le message au-dessus, au niveau de TCP dump, il s'excite un petit peu. Il a affiché un petit truc, donc c'est cool. Et là, normalement, si on fait un petit flush, tiens donc, je l'ai pas reçu. Peut-être parce que je suis en TCP actif. On va tester un autre truc. C'est bizarre ça. TLS connection undefined. Ça a peut-être pas été bon alors. False. Pourtant, j'ai l'impression que la connexion elle est correcte. Je pense que c'est parce que je suis en passif, donc c'est pas grave. On va faire SSL receive SSL socket 1024, je crois. On va prendre un truc comme ça par exemple. Je sais pas ce que ça va donner. On va tester. Ah non, j'ai tout pété parce que je pense qu'il était vraiment en actif en fait. Bizarre. Bizarre, bizarre. Je pense qu'il était en actif. Je sais plus comment on fait pour recréer un. Un petit tour dans la doc. Hop. Normalement, il y a des shortcuts. Alors, ça fait partie des premiers articles que j'ai fait. Pour vous dire, j'ai un peu oublié ce que j'utilise pas souvent. Alors, c'est CTRL G. Hop. Donc, en CTRL G, on a notre petite commande qui va nous permettre en fait d'arrêter un process ou de voir justement la liste des différentes choses qui sont démarrées. Moi, ce que je veux, c'est un nouveau shell. Pourquoi ça marche pas?
Ok, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Hop, on va pouvoir regarder déjà ce qui se passe au niveau des connexions. Et peut-être potentiellement le killer. Je crois qu'on l'avait en fait les informations, mais j'ai fait un peu de la merde. Je suis pas sûr que je vais y avoir accès. Ok, c'est pas grave. On va aller faire un petit tour au niveau d'ici. Alors, ça doit être dans les derniers PID à mon avis. Observeur pro, observeur 6, observeur. Alors, donc, apply. Voilà, ça doit être celui-là. Ah, c'est celle genstat m-init. Et à mon avis, c'est là où ça déconne après. Erlang apply, groupe serveur, Erlang apply observer, TLS sender, superviseur TLS. Donc ça doit être celui-là. On va essayer de le killer. C'est 0PID 0,121,0. Ok, est-ce qu'il est parti? A priori non. Voilà, là pour le coup il est parti. Donc à mon avis la connexion elle est éteinte. SSL. On va faire juste un petit flush voir ce qui se passe. Donc on n'a rien reçu pour l'instant, donc c'était peut-être pas celui-là. Au pire, c'est pas grave, on peut très bien redémarrer le process. Ça me fait un peu chier parce qu'on avait une jolie connexion qui était faite. En tout cas, la connexion entre les deux, elle est faite, hein, donc il n'y a pas de, y a pas de problème là-dessus. C'est juste que quand je l'ai démarré tout à l'heure, il n'était pas en. Il n'était pas en. Comment ça s'appelle? En passif. Donc normalement, j'aurais dû recevoir les messages et je ne les ai pas reçus. Sachant que normalement je dois le recevoir du côté client. En tout cas, j'ai fait les tests hier et ça fonctionnait. Donc c'est pas grave, au pire des cas, hop, on quitte ça. Donc ce qu'on fait, on fait SSL close, SSL socket. Voilà. Pareil, on va faire gntcp close. C'était quoi? C'était accept socket. Voilà. Donc là, normalement, on doit toujours être en écoute sur le port 7890. Donc, on va essayer de relancer notre client et essayer de ne pas faire la même connerie qu'on a fait il y a 30 secondes. Donc, on a option. Déjà, on va faire application. On sur all started SSL. Les options. Ce qu'on veut, c'est verify none. Et on avait dit protocole TLS. Normalement, c'est une option par défaut. Ici, on va flusher l'accept socket et on va flusher le SSL socket. Cool. Et on va pouvoir recommencer la procédure. Ok. gntcp connect localhost 5000. Ok, et on va le mettre en. Quoique je suis pas sûr en fait, la mise à jour du côté client, c'est plutôt au niveau du serveur que le mode passif doit déconner. Faudra que je fasse des tests là-dessus, j'ai jamais testé donc. Donc, notre connexion, là on check, il est bon. On va donc pouvoir mettre à jour du côté SSL. Donc pour la mise à jour SSL, on va reprendre la fonction de base qui était avant, qui était juste ici. Et ici, on va faire SSL connect. Donc le numéro du port, en fait, c'est notre connexion, notre socket TCP. Et donc pour gérer ça, on va faire TCP socket égale Erlang 2 points. List to port. Hop. Donc là on a notre porte parce que
j'ai fait encore une fois une petite connerie. SSL connect. TCP socket et les options. Ok, et on va mettre un timeout ici. Et là, on n'est pas trop mal. Donc, on passe ici, on passe là, on a nos échanges de données et a priori, c'est bon, on est connecté. Donc déjà, ce qu'on va tester, c'est du côté client, si on peut envoyer des messages. Alors ça, c'est très fort. Assez fort ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? C'est l'info. Normalement, il y a une fonction justement pour voir les informations au niveau du socket. On va aller chercher ça. Connection information. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau là-dessus? Donc on est en TLSV3, padding check. Ok, faut juste que je vérifie un truc parce que tout à l'heure j'ai fait un peu n'importe quoi. Et c'était receive. Normalement on a un timeout, c'est ce que je voulais voir. On va essayer de se faire un petit receive. Ok, donc c'est bien parce qu'il est en actif, il n'est pas en passif. Donc là, si je fais ça, je veux dire, il est en passif, il n'est pas en actif. Donc ça, c'est bon. Et donc si je le fais du l'autre côté, SSL receive socket. Pareil, je vais mettre un petit timeout dessus. Normalement, je fais SSL send. Donc en fait, en gros, notre client serveur sont correctement connectés. Si on regarde d'un point de vue TCP, d'un point de vue TCP dump, on a bien les échanges qui se font avec les données qui sont normalement chiffrées. Donc a priori, ça fonctionne. Donc l'article que je suis en train de faire, c'est justement au niveau de ça. Je le fais surtout au niveau de TLS et il va y avoir une partie sur des TLS. Et c'est pour mettre à jour le projet de cache que j'avais fait dans les premiers articles. Alors, je ne sais plus si on a... Tiens donc, c'est nouveau ça? Ça date de quand? Ah bah non, ils ont fait une sorte de formation avec tout ça. Intéressant. Je sais plus c'est lequel, c'est au niveau de la gestion de projet. Où justement j'ai commencé le projet cache, qui est un simple système de cache basique qui permet de stocker des informations sur différents. C'est juste une application que généralement je fais dans mes formations. Et j'ai préféré en fait le faire là-dessus quoi. Pour vous montrer un petit exemple de comment on peut gérer un petit projet. Donc en fait le but du projet c'est quoi? C'est extrêmement simple. Le but du projet c'est d'avoir un cache quelque part, de stocker les informations dessus
et de pouvoir les récupérer sur différents protocoles, que ce soit TCP, UDP ou quoi que ce soit d'autre. Et le but, c'est d'intégrer un maximum de protocoles au niveau de cette application pour montrer les interconnexions et essayer de simplifier les interfaces et au fur et à mesure pouvoir avancer. Donc là, pour l'instant, je suis sur la partie SSL TLS. Donc, comme je disais, il y a la partie gestion de certificats que j'ai fait juste avant et l'introduction à la cryptographie pour expliquer un peu les fonctionnements de tout ça. Et donc là, c'est la partie SSL. Donc là, c'est l'update de connexion, sachant que il y a le mode brut où en fait la connexion se fait directement en SSL juste après la poignée de main TLS. Et là, cette méthode-là qui permet de mettre à jour, enfin d'avoir un dialogue en TCP d'abord et ensuite de mettre à jour le protocole pour aller vers du TLS. Donc voilà. Et donc c'est ce que je faisais les derniers jours. Donc vous avez une partie de l'article. Je vais pas tout vous le montrer. De toute façon, il n'est pas fini. Mais le but, ça va être potentiellement de continuer là-dessus. Et le prochain protocole qui va être utilisé, ça va être SSH. Alors, pour les gens qui ne savent pas, hop, il y a toute une partie gérée par SSH avec Erlang qui est assez incroyable. Il y a un gros boulot qui a été fait là-dessus, c'est vraiment super cool. Et il y a de quoi faire. Et ça permet en fait de faire une autre introduction, la gestion de clés, plutôt avec SSH, et utiliser SSH comme étant un protocole de transport pour des données autres que du shell par exemple. Donc ça pourrait être intéressant d'utiliser ce genre de module pour un peu expliquer ce que je suis en train de faire là et la gestion de cache, mais aussi la programmation en Erlang, la gestion de projet, etc. Donc voilà. Voilà. Je pense que la session d'aujourd'hui va être terminée. C'était une session assez courte. J'ai du pain sur la planche, j'ai pas mal de trucs à faire. C'était juste pour faire un petit point sur pourquoi j'ai. Enfin bref, pourquoi je donne pas trop de news en ce moment. Il y a ces articles qui vont arriver, il y a les shortcuts qui vont continuer, il y a des formations en cours aussi en parallèle. Autant dire que je fais beaucoup de choses. Donc d'où mon mutisme. Sur ces quelques mots, je vous ai montré un peu d'Erlang, comment faire une connexion en SSL. Je vais vous laisser là et je remets un peu de musique et je coupe dans 5 minutes. Sur ce, passez un très bon week-end de Pâques et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!